bienvenue sur ma chaîne Les Passions d'Isabelle. Je suis très très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo produit terminé parce que j'en ai terminé un petit peu. C'est vrai que la dernière vidéo date d'il n'y a pas longtemps. Et donc je me suis dit que ça serait bien de vous les présenter avant que je parte en vacances. Voilà. Donc j'ai un petit peu des produits. Alors j'ai pas beaucoup de masques, j'en ai juste un seul. Voilà, je vais vous présenter tout ça, vous dire ce que j'en pense, si je rachèterai ou pas. Tout d'abord, et si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit et pour moi ça me fera super plaisir. J'en suis à 10 abonnés avant d'atteindre les 1000, donc voilà, moi ça me ferait super plaisir d'atteindre les 1000 abonnés. Déjà, je vous remercie infiniment d'être toujours là, d'être toujours présent dans vos commentaires, voilà. N'hésitez pas également à mettre le petit pouce bleu en l'air, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et j'y réponds également avec grand plaisir. N'hésitez pas à partager également sur vos réseaux sociaux si mes vidéos vous plaisent. Donc c'est parti, je vais commencer par cette brume qui vient de chez Action, c'est la Summer Crush. J'ai beaucoup aimé, franchement ça sent super bon. Ce sont des petites brumes parfumées, ça sent trop trop bon. Donc là, je m'en suis repris une, donc pas celle-ci, hein, les plus petites. Vous voyez, il en reste encore un petit chouïa au fond. Ça sent vraiment trop trop bon après la douche, après le bain. Alors, ce ne sont pas des odeurs qui vont rester très très longtemps, mais franchement, quand vous sortez de la douche ou du bain, ça rafraîchit, surtout quand il fait chaud. Franchement, ce sont des petites pépites, ces produits, si vous les trouvez à Action, ben, vous pouvez y aller, c'est vraiment des petits prix, je vous les recommande. Ensuite, on va continuer dans les parfums. Donc j'ai terminé un Nox, le numéro 100. Alors Nox, c'est quoi? C'est un site internet où ils vous vendent des équivalents de parfums. Ce ne sont pas des copies, ce sont des équivalents, ça s'approche énormément des parfums vendus en parfumerie. Donc ça, le numéro 100 correspond à l'équivalent du Oh Oui de Lancôme. Franchement, il sent trop trop bon. Là aussi, ça sent très très bon. Si vous ne connaissez pas, donc le numéro 100, il est parfait pour printemps, été. C'est un parfum discret, mais moi, j'adore, franchement. Je l'adore. Vous avez toujours mon code promo, mon lien de parrainage, moins 15% toute l'année sur votre commande parfum ou maintenant, puisqu'ils font également les bijoux pour hommes, femmes. Ils font également des chaînes de lunettes. Vous avez des parfums d'ambiance également. J'en avais pris un la dernière fois, franchement, topissime. Ça tient hyper longtemps avec les petits bâtonnets, il est super. Je pense me reprendre des recharges la prochaine fois parce que franchement, ils sont topissimes. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, vous avez mon lien de parrainage qui vous donne droit à 15%. Ensuite, j'ai terminé ceci, donc c'est une eau micellaire de la marque Nivea. C'est le Natural Good à l'aloe vera. C'est composé à 98% d'ingrédients d'origine naturelle et 2% d'ingrédients complémentaires. Écoutez, c'est une eau micellaire qui démaquillait très très bien. Je l'avais acheté à Aldi, à Lidl, pardon. En promo en plus, je ne sais plus le prix exact. Franchement, ça m'a duré hyper longtemps puisque c'est un produit que j'ai acheté l'année dernière, il me semble, vers le mois de novembre. Voilà, donc franchement, très très bien, démaquille parfaitement, ne pique pas. Je m'en suis même servi pour les yeux, j'ai pas eu de soucis. Donc celui-ci, franchement, si j'avais à le racheter, je le rachèterais si je le retrouve. En plus, en promo, donc plutôt bien, plutôt sympa. Ensuite, j'ai terminé, alors ça vient d'Action également, c'est le scrub au café. Voilà, alors je m'en étais pas servi depuis un moment. Alors, il en faut quand même pas mal hein, si vous voulez faire tout le corps.
Franchement, le tube, on en utilise pas mal, mais efficace. Ce sont des petits grains, donc ça abîme pas la peau. Normalement, il me semble qu'il faut le mettre sur peau sèche pour que ce soit plus efficace. Après, vous avez le mode d'emploi au dos, hein. Mais écoutez, très bien. Moi, j'ai bien aimé l'utiliser. Alors, ça sent le café. Il n'y a pas de problème, ça sent bien le café. Mais voilà, très agréable, agréable à utiliser. Et franchement, ça laisse la peau toute douce. Après, bien rincer, parce que c'est vrai que les grains, il peut en rester. Et franchement, bien, bien se rincer sous la douche. Voilà, c'est juste ça à dire. Et si je le retrouve, bien, oui, je le reprendrai. Ensuite, j'ai fini, bah, toujours de chez Action. C'est le spray fixateur de maquillage, donc de la marque Biface. Écoutez, il va très bien, il fait le job, franchement. Ça laisse un petit voile sur le visage et au bout d'un moment, vous pouvez tapoter. Normalement, il n'y a rien sur le mouchoir. Il est à l'eau de rose et à l'aloe vera et c'est pour tout type de peau. Franchement, très bien, ça fait plusieurs fois que je le reprends. Je le trouve très efficace. Voilà, moi, il me va. Ensuite, j'ai ceci. Alors, c'était un anti-cerne de chez Intermarché, donc c'est leur marque. Alors, je sais plus la marque, il y a français dedans, je sais plus exactement. Donc, c'était la teinte sable. Alors, c'est un anti-cerne pas très très couvrant, il faut pas avoir des cernes trop marquées. Et le petit reproche, c'est qu'ils n'ont pas énormément de teintes de disponibles. Ça, c'est la plus claire. Et c'était un petit peu trop foncé pour moi. Donc là, je l'ai terminé. Il n'y a quasi plus rien autour. Voilà. Mais ce n'est pas un produit que je rachèterais parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de teinte. Et pour moi, il n'est pas suffisamment assez couvrant. Mais si vous n'avez pas trop de cernes, ça peut être un produit qui peut vous intéresser. Ensuite, j'ai terminé le masque Garnier Skin Active. Donc que j'avais pris sur le site Look Fantastic avec mes points Glossy Crédit. J'avais pris autre chose, je sais plus ce que c'est. Écoutez, très très bien, il est à la vitamine C et à l'acide hyaluronique. Très bien, franchement très très bien. Voilà, j'ai bien aimé. Si j'ai l'occasion de le reprendre, ben, je le reprendrai. Voilà, c'était à laisser agir 15 minutes. Voilà, top. Ensuite, j'ai terminé, enfin presque, il va me rester une petite dose pour ce soir. C'est de la marque Baïja, c'est le gel pied à l'extrait de guarana, vigne rouge et petit houx. Voilà, c'est un gel relaxant. La marque Baïja, moi j'ai beaucoup aimé. Il me reste, je crois, un scrub pour les cheveux et le corps que je n'ai pas utilisé. Ça, j'ai super bien aimé, surtout quand il fait chaud, que vous travaillez, que vous êtes debout, que vous avez un petit peu les jambes lourdes. C'est super agréable. Alors, un jour, je l'ai mis au frais, et ça, alors ça, c'est vrai que c'est encore mieux, quoi. Vous le mettez quelques heures au réfrigérateur, c'est hyper frais. Ça sent le frais, on dirait que c'est un peu. Je sais pas s'il y a de la menthe, non, il n'y a pas de menthe dedans, mais très très agréable à utiliser. Franchement, si on pouvait l'avoir dans une box en format vente, très 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 bien. C'est super super agréable à utiliser. Moi, je l'utilise après le bain, après la douche plutôt, et le soir, juste avant de me coucher, je le mets et vous avez les pieds tout frais. Voilà, donc ça, très très bien. Et en dernier. Alors, ça fait partie de la routine skincare, je vais y arriver, que j'avais reçue de chez Stilevana. Donc, c'est de la K-Beauty, hein, c'est des produits coréens. Et c'était une brume, voilà, une brume en pchit, vous voyez, en vapeau comme ça. J'ai beaucoup aimé. Franchement, je suis en train de terminer les autres produits. Cette routine, je l'ai beaucoup aimée, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. C'est un produit que j'ai eu, c'était pour la campagne d'avril, et vous voyez, je l'ai terminé que maintenant. Vous pouviez, moi je le mettais, vous pouvez le mettre le matin,
Le soir après le démaquillage, ça rafraîchit, hyper agréable à utiliser, on peut le glisser dans un sac, franchement. J'ai beaucoup aimé ce petit produit. Il me reste un soin pour le soir. Enfin, un soin, on peut le mettre le matin et le soir également. Il me reste une crème de nuit et il me reste le contour des yeux également que j'ai pas fini encore. Mais ça, j'ai beaucoup aimé, sincèrement, j'ai beaucoup aimé cette routine K-Beauty de chez Stilevana. Il m'avait envoyé plusieurs produits et je les en remercie. Voilà. Donc ça. Et puis bah écoutez, bah, je crois c'est fini, j'ai plus rien. Donc voilà, écoutez, en majorité ce sont des produits que j'ai beaucoup aimé. Donc sauf je vous dis l'anti-cerne que bon je reprendrai pas. Mais sinon tout le reste, voilà, top. Ce sont tous des produits que j'ai beaucoup aimé. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Elle n'aura pas été trop longue. Cette vidéo, vous l'aurez mardi, donc bah, je serai en vacances. Et vous aurez droit, normalement, je vais essayer de faire un petit vlog pendant ces 15 jours. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye bye!